Alors, cette réserve écologique des Maillis, elle a une histoire intéressante. Elle résulte, dans les années 90, de l'extraction de granulats qui était nécessaire à la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône pour réaliser la 39. Mais dès le départ, cette extraction de granulats a été conçue dans une perspective de réhabilitation écologique. On a créé une île artificielle et aujourd'hui, les 38 hectares de la zone des Maillis, qui comporte 28 hectares de plans d'eau, c'est au niveau européen une escale pour les oiseaux migrateurs. Nous avons un local qui a été construit spécialement par le conseil départemental pour qu'il y ait une observation sans déranger la faune. D'une manière générale, toute cette zone des Maillis contribue à l'échelle du département à des signaux forts en faveur d'une politique environnementale responsable et qui vise la satisfaction des besoins de nos enfants, de nos petits-enfants dans les années qui viennent. C'est véritablement la politique du département de la Côte d'Or au profit des habitants. EFH Energy a été retenu pour la mise en œuvre du projet de vidéo-observation et de vidéo-protection de la réserve écologique de Les Maillis. Il s'agissait d'un lot unique consistant à la mise en place de deux caméras de vidéo-observation, deux caméras de vidéo-protection et la mise en place d'une source électrique autonome pour les besoins nécessaires de ce projet. La mise en place d'un système de vidéo-protection nécessite une source d'alimentation électrique. Étant sur un site isolé, nous avons dû créer cette source d'énergie par la mise en place d'un système de panneaux photovoltaïques et de batteries dimensionnés pour les besoins de ce projet. EFH Energy a l'habitude de réaliser ce type de projet, notamment au niveau technicité. Dans le cadre de ce projet, ce qui était un peu plus inhabituel, c'était l'environnement du site. Nous avons l'habitude de réaliser la mise en place de systèmes de vidéoprotection pour des communes ou des entreprises. Et dans le cadre de ce projet, il s'agissait d'une réserve écologique. Sur ce site, nous avons un observatoire qui est ouvert au public, aux scolaires, à des visites de groupe avec des animateurs nature. Et l'intérêt du système de vidéo-observation est de pouvoir proposer à ces visiteurs et ces groupes d'observer, soit en direct, soit en différé, des comportements animaux sur l'île ou au niveau du plan d'eau qui est derrière moi, sans déranger les espèces et surtout de pouvoir capter certains comportements, certaines attitudes, nidification, parade nuptiale, à des moments de l'année où le site va être plus préservé des visites du grand public. Les caméras qui ont été mises en œuvre sont des caméras numériques de très haute définition, avec un zoom de forte capacité de façon à pouvoir aller chercher des animaux à environ 250 mètres de distance. La qualité des images nécessite après la transmission des signaux informatiques par une fibre optique qui donc sont collectés au niveau de l'observatoire sur un serveur numérique. Le défi principal était le déploiement d'une fibre optique et d'un câble d'alimentation à travers le plan d'eau jusqu'à l'île qui est donc environ 300 mètres de distance. Sachant que dans ce cadre, la fibre optique et le câble d'alimentation ont été tirés au-dessus de la surface de l'eau et ensuite ont été immergés au fond de l'étang. Et ça permet de pouvoir comme ça piloter en temps réel et collecter les images de la caméra de l'île et de pouvoir observer de très près le comportement des animaux sans les déranger.